You thought it was over? I wasn't born last night. I know these hoes ain't right. But you was blowing up her phone last night. But she ain't have a ring or not her ring on last night. Ooh, nigga, that's that nerve. Why give a bitch your heart when she rather have a purse? Why give a bitch an inch when she rather have nine? You know how the game goes. She be mine by halftime. I'm the shit, ooh. Olivier Servat
Je me rappelle d'une réunion à la mairie de Pointe-à-Pitre, le Cap Excellence, où il me disait, bon, allez. Et je me suis rendu compte, mes amis, qu'il y avait une force très forte à tous de la population guadeloupéenne pour qu'il y ait un changement dans ce département, dans cette région, où un seul homme prenait toutes les décisions. Oui, nous nous sommes engagés aujourd'hui pour la région Guadeloupe. Nous nous sommes engagés pour la jeunesse. Nous nous engageons pour les aînés, pour l'agriculture, pour la culture, pour le social, comme l'a dit Olivier. Parce que nous nous rendons compte, aujourd'hui en Guadeloupe, c'est que de la communication, des panneaux 4 par 3 fleurissent comme par hasard. Depuis que j'ai fait ma déclaration, moi de jeune, les panneaux 4 par 3, la région va faire partout. À 6 mois des élections. Et permettez-moi de le dire dans mon langage. Faut-nous arrêter couillonner le monde 6 mois avant les élections. Quand vous êtes élu pour 6 ans, c'est pour travailler pendant 6 ans pour toute la Guadeloupe. Et pas pour certains. Pas pour certains. Comment dirais-je? On ne veut pas laisser monde. Mais pour quelques communes, je dis non. Regardez l'exemple que je prends. Et je refuse que la population européenne soit sous domination. Oui, beaucoup de maires, chers amis, sont menacés en Guadeloupe. Nous avons eu l'exemple du maire de Bouillotte, Adélie, parce qu'il a demandé à soutenir Aramis Arbo. Sa population a été menacée. Nous venons de laisser le tour de la Guadeloupe. Regardez où ont gagné les 9 étapes du tour dans quelle commune que les 9 étapes ont gagné. L'ouverture du tour de la Guadeloupe qui devait se faire normalement au Vélodrome pour que Richard Luce ne puisse pas faire le discours d'ouverture et de bienvenue. On a déplacé cette ouverture du tour. Et je pense que les Guadeloupéens aujourd'hui se sont rendus compte de ce qui s'est passé sous le tour de la Guadeloupe. Et je le dis publiquement, hier j'étais à la fête de Petit Bourg, où le thème était l'audace et le courage. Ce matin à la fête de Capesterre, le thème c'était la paix. Je me suis senti bien. Dimanche dernier, la dernière étape du tour de la Guadeloupe, j'arrive avec des amis. Nous avons une trentaine de personnes qui attendaient pour entrer. Les agents de sécurité m'informent qu'on leur a donné l'ordre d'empêcher Henri Charles d'entrer dans les jardins de la région. Oui, chers amis, et vous avez dû voir que Maurice Carême n'a jamais parlé de Bémao et du maire ce dimanche sur le podium en direct à la télé. On a interdit de nommer Bémao et Henri Charles. On l'a menacé, chers amis. Est-ce que c'est cette vie que nous voulons pour la Guadeloupe? Oui, cette vie de domination. Les amis des maires me disent, Charles, vite là, pas bon, mais nous ne pouvons pas parler parce qu'ils ont menacé nous, mais pas dans nos subventions. Comment voulez-vous aujourd'hui faire croire aux Guadeloupéens qu'on a mis en place des contrats de développement territorial? De mettre en place pour les communes, pour 9 communes. Ce n'est pas inscrit au budget de la région. Et nous savons très bien que la plupart des communes sont en déficit. Ces communes ne pourront pas mettre de l'autofinancement pour pouvoir prendre cette aide de la région. Mais demain, il y a dire en bas de la zone d'argent, pas prendre, sachant que les communes ne pourront pas disposer de cette aide. Ça va emmener le couillonner à nous payer. Alors, comment accepter? L'économie commence par les problèmes d'eau en Guadeloupe. Il y a plus de 40 ans que le pays a souffert. Comme par hasard aujourd'hui, en mois de mars, on a entendu des élus parler, des aînés, des personnes âgées, de l'eau, de la jeunesse. Mais tout ça qui existait avant. Alors je le dis, il faut arrêter en Guadeloupe ce jeu.
Il faut que nous puissions parler de nous. Il faut que nous ayons une Guadeloupe apaisée, une Guadeloupe innovante, une Guadeloupe audacieuse, une Guadeloupe où nous serons tous ensemble, que les décisions seront prises ensemble. Et je me permets de le dire, chers amis, c'est ma manière de fonctionner. Dans ma commune, j'ai deux filles de l'ancien maire. Deux filles de l'ancien maire de Bémao. Il y en a qui a répondu au téléphone à Adam, au foyer, et l'autre là, t'es secrétaire à leur bureau. Aujourd'hui, ces deux femmes sont attachées, et l'une attachée principale à Bémao. Envoyez-les au montée, au lendemain, sanctionnez-les, conservez la paix. Et nous savons ce qui se passe aujourd'hui à la région. Je le dis, chers amis, c'est grave, chers amis. C'est grave en Guadeloupe. L'agriculture risque de prendre un coup. Dernièrement, je vois le président de région aller visiter les plantations des agriculteurs. La sécheresse, ça va la semaine passée. Depuis le mois de avril, la Guadeloupe sécheresse, je ne sais pas ça. Mais je sais qu'il est en Savoie. Je sais qu'il a peur aujourd'hui parce qu'il est rejeté par les Guadeloupéens. On m'a traité de petit agent de BF. Sur le point, je suis fier. Pierre Léo Beauvoir était premier ministre avec un CAP seulement. Est-ce qu'aussi le maire de Nice, il ne panique pas? Alors, chers amis, c'est une élection. Mais je dis à mes amis, nous n'allons pas dans une élection contre un homme. Nous n'allons pas dans une élection pour déchouquer un homme. Ce n'est pas notre langage politique. Nous allons vous proposer une nouvelle alternative à la Guadeloupe, un nouveau projet, un projet équitable pour que chaque commune soit servie en fonction des projets qu'il aura menés, en fonction des demandes de la population, en mettant en place des vraies formations. Dimanche, à Bémao, nous avons formé 15 jeunes ouvriers paysagistes en présence du maire de l'école des Califères. C'était vraiment un plaisir. Et les responsables disaient que l'AFPA n'existe plus, mais Bémao a su mettre en place une plateforme de formation plus performante que l'AFPA pour permettre aux jeunes Guadeloupéens de pouvoir se former. Oui, nous avons un projet alléchant. Un nouveau modèle économique pour la Guadeloupe, dans Palanouina, obsolète. Et François Hollande même l'avait dit à l'époque, dans les 30 propositions, il faut changer le modèle économique en Guadeloupe. On ne peut plus continuer actuellement à donner de l'argent, pas l'argent de besoin. On a besoin d'être accompagné par des techniciens de l'État, des cadres performants pour pouvoir monter des dossiers, aller chercher des financements, aller chercher des situations pour chaque commune. Il y a aussi un très gros travail à faire. Et je dis que nous pouvons accompagner les maires des autres communes à pouvoir structurer leur administration, leur personnel. C'est pas normal dans la ville aujourd'hui. Certaines personnes partent à la retraite avec 400 euros. Eh bien, je pense que la région a un rôle à jouer pour pouvoir accompagner ces maires à structurer leur administration. Car la réussite de la Guadeloupe passera d'abord par une commune bien administrée, une commune bien aidée. Aujourd'hui, les communes sont sanctionnées. Je prends l'exemple de Petit-Mot, où la ville, depuis que Guy Rosemar est arrivé à sa tête, n'a jamais eu une subvention du conseil régional. Alors, chers amis, Bastère aussi, Madame Pachard l'a dit dernièrement, il faut qu'on arrête. Et je vous invite, chers amis, à aller visiter Bémao. Nous pas travaillons en secteur, mon qui déploie et jalouse. Nous travaillons toute section, tout coin, toute résidence. Et c'est ça que nous voulons pour la Guadeloupe. Il faut pouvoir mettre en place un développement pour le Nord. Pour le Sud-Bastère, pour les îles, il n'est pas normal qu'un mari n'a pas de gymnase, pas de stade à football convenablement, pas de piscine météo-communale.
j'ai toujours dit pour nous travailler un petit morceau pour faire des trucs à vous, pour mener le peuple là. Non, c'est ensemble. Alors aujourd'hui, dit à la gauche, car je veux travailler avec telle à droite, telle à gauche, tout doit vous payer. Prêt à s'investir pour la Guadeloupe. C'est Guadeloupéen qui aura des projets pour notre pays. Guadeloupe, chers amis, on a un potentiel incroyable dans ce département qui mérite d'être exploité. Sur le littoral, on pourra créer des emplois pour notre jeunesse. En agriculture, pourquoi la Martinique et la Guyane réussissent et nous parlent ici en Guadeloupe? Eh bien, c'est parce qu'il y a un homme qui décide, un homme qui, si ce n'est pas lui, nous va d'accord. Il faut qu'on puisse changer ça. J'ai été samedi soir, vendredi soir, dans une soirée à la Marsétale, invité par Jean Parasman. Quand je suis arrivé sous les arbres, il y avait des temps de la lumière. Oh, l'âme sortit ainsi à moi. On dit, mais c'est ça qui la Guadeloupe. Mais ça nous dit, ouais. Savoir respecter l'opinion de l'autre. Savoir écouter l'autre. Savoir pour dire ce qu'on pense et analyser et chercher les bonnes solutions. Et aujourd'hui, en Guadeloupe, vous n'avez pas le droit de dire ce que vous pensez. Vous n'avez pas le droit de vous exprimer. Il faut que ça cesse en Guadeloupe. Il faut que tout Guadeloupéen puisse s'exprimer, dire la vérité, mais qu'on apprenne à nous écouter. Essayons à l'autre, chers amis. Et les amis m'ont dit que dernièrement, j'ai pris un exemple important. Là, on voit Tikwapan, ça arrive en plusieurs fois. Nous avons 5-6 personnes qui ont bourré la voiture pour aider les gens à démarrer la voiture. Mais nous n'avons pas demandé l'autre là sur des gosses, sur des droites, sur des sangs. Nous allons mettre nous ensemble et nous allons pousser la voiture pour démarrer. Et c'est ça que nous ferons pour la Guadeloupe. Alors, chers amis, bientôt, nous allons vous inviter parce que nous allons mettre en place des comités que je ne citerai pas maintenant pour ne pas démonter vite en nous. Il se pose des questions, qu'est-ce qu'on va faire? Les organisateurs savent, qu'est-ce qu'on va faire? À partir du 15 septembre, nous allons travailler sérieusement dans chaque coin de la Guadeloupe avec des hommes et des femmes disposés, disponibles, engagés pour pouvoir servir le pays, pour que nous puissions plus subir cette domination, ce mépris, je le dis, qui existe aujourd'hui. Ce n'est plus que j'ai subi personnellement. Et pourtant, je me suis engagé pour la Guadeloupe. La réussite de la Guadeloupe, c'est votre réussite. Nous, élus, nous sommes là pour vous représenter, car le législateur a mis un nombre d'élus en place, parce que tout un peuple ne peut pas gérer ni en commune, ni la Guadeloupe. Donc c'est avec vous que nous allons réussir. C'est ensemble que nous allons réussir. Mais pour cela, chers amis, faisons commencer par inscrire, je ne suis pas inscrit. Avant le 30 septembre. Faisons demander tout le monde en France qui a des procurations, de faire procuration à eux. Faisons crier les amis par azot pour dire il faut changer d'avenir en Guadeloupe. Il faut que nous puissions travailler pour la Guadeloupe d'abord, pour tous les Guadeloupéens qui sont sur cette île. Mais pour cela, c'est ensemble. Je crois, chers amis, je rêve d'une Guadeloupe apaisée, d'une Guadeloupe innovante, d'une Guadeloupe audacieuse. Mais je ne pourrai le faire si je ne suis pas entouré, si vous n'êtes pas avec nous. Car aujourd'hui, pour gagner, il faut bien que nous disions, nous ferons ensemble, nous gagnerons ensemble, nous changerons ensemble, nous innoverons ensemble. Merci à vous. Thank you.
et dans mon ami Dominique Théophile, avec Pasteur, avec Adpat Soulbon, Aramis Abo, avec un monde de terre, je crois que nous devons réunir les conditions de la victoire le 6 décembre. Avec Anjanus, nous allons permettre aux Guadeloupéens de respirer, aux Guadeloupéens de parler, aux Guadeloupéens d'avoir une nouvelle Guadeloupe. Donc, au combat, ensemble nous allons gagner. Merci. Thank you.
ain't loyal. Yeah, yeah, let me see.